Et bonjour tout le monde et bienvenue, pour ce nouveau stream en compagnie de notre ours préféré, Arthur Morgan. Alors, la dernière fois, nous avons triomphé de l'ours, hein, on l'a sur la tête pour le prouver. Et donc on avait fait des trucs. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Salut Sacha. Alors on avait une quête de Dutch là, une quête des Grey ici, on a un truc ici de Margaret pour, ah oui, pour capturer le zèbre qui s'est enfui, et on a un truc ici de Albert Manson pour encore prendre des photos à la con. Étant donné que ça, ah oui, faut savoir, j'ai lu des tweets, parler du jeu, il y en a certains qui disaient n'explorez pas trop le monde, genre n'allez pas genre ici, alors que l'histoire ne vous demande pas d'y aller. Tout simplement parce que de toute façon, le jeu va guider vers différents endroits. Et puis ça permettra d'encore découvrir des choses après avoir fait la plupart des missions. Faire un petit ajout. Et d'autre part, si on avance beaucoup dans l'histoire principale, avec les quêtes de la jaune, les quêtes secondaires peuvent dépop. Donc toujours privilégier les quêtes secondaires. Voilà. Alors, ça c'est Maurice. C'est Maurice, on est d'accord. Oui, c'est Maurice. Maurice qui était donc mon deuxième cheval. Hein. On a pris la dernière fois pour l'XP un petit peu. Parce qu'il a besoin d'être un peu XP parce que c'est un cheval de course, mais le problème c'est qu'il a zéro endurance là actuellement. Donc c'est pas terrible. Faut l'aider. Ce pauvre petit. Ah! Attendez, il y a des coups de feu par là. Ah! Tire sur cible. Un petit défi amical. Ça me va. Ah oui, alors, écrasé, oui. Fais-toi plaisir. J'accepte. La dernière fois, j'ai été ridiculisé. Whoever shoots the most bottles wins, okay? Okay. All right. All right. Stand alongside me. Soon as you pull your weapon and aim, we let fly. Ok. 1, 2, 3. Bah. Please. Ok. Go. Merde, loupé. Oh yeah! Oh non! J'étais dessus! Yeah! Yeah? Guess that explains it. I'm brand new. It's hard lines, partner. Here's an idea. What do you say we raise the stakes? Oh, je suis chaud. You're on. Well, that's what I like to hear. How about this? You shoot four birds out of the sky before me. We'll call it a day. Je suis chaud. All right, rules are simple. We're doing first to four. You can count to four, I hope. Ouais, t'en fais pas. Stand close. As soon as you see him, start shooting. Wait for it. There they go now. Oh, trying to cheat your corners, huh? C'est bon, j'ai eu 4. Allez, rends-moi mon argent. You got a damn good shot, mister. Here you go. As promised. Tu me dois 5 balles. Prends de l'argent. Dis 5 parce que j'en ai dépensé 10. Careful now. Next time I may not hold back. Ouais, j'avais au début j'en ai donné 5, puis il m'en a donné 10, donc c'est comme s'il m'en avait donné 5. Amical, merde, il va y avoir des morts. Mais non, regarde, tout s'est bien passé. Non mais c'est la volaille, on s'en fout.
Moi, ce que je veux, c'est des genre des lapins. C'est une biche, pas du tout un lapin. Non, mais là-bas, là, c'est quoi ça? Une dinde. Pas intéressant. Ça, c'est un coyote. Pas très précis ce fusil, donc compliqué. Non, en fait, je tire alors qu'il y a un mec à côté. Ça fait très les chasseurs de nos jours. Hier, j'ai lu un truc comme quoi il y a un chasseur, il a tiré. Et la balle a traversé la fenêtre et le salon d'une maison. Et tu te dis, il était pas au bon endroit. Et là, il y en a un, là. Tu l'as, non? Non, c'est un caillou. Pardon. Du coup, il y a des lapins, là, dans le coin. Mais non! Et d'ailleurs, il y a des gens aussi qui ont critiqué les touches du jeu, on va dire. En mode... Il y a trop de touches. J'ai pas compris la critique. Enfin, pas qu'il y a trop de touches, mais enfin, les gens galéraient sur les touches. Et il y en a pas mal qui ont dit ça. D'autres qui, comme moi, ne comprenaient pas cette critique. Et c'est vrai que... Je trouve pas qu'il y a trop de touches. C'est un lapin, là. Non? Ah, ça monte. Ah, je le vois. Il est là. Ah, c'est un lièvre. Je sais pas où est sa tête. Elle est là, non, logiquement. Tori. Ah non, c'était le truc, c'était l'autre côté. Allez, donne-moi ta peau. À chaque fois, la manière de retirer cette peau, quoi. Elle est en bon état. Bon, ça va. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Nous, il nous faut parfait état pour la plupart des crafts. Enfin, bon, allez. Je vais vous arrêter de vous embêter avec... avec mes batifolages. Et on va aller jusqu'au zèbre. Si c'est encore là, en fait, parce que la nuit tombe... Ouais, ok, c'est bon. On va voir si ça sera compliqué de capturer un zèbre. En théorie, un petit coup de lasso, ça devrait passer, non? Comme ça que ça se passe. En tout cas, la lune est très jolie. Ce ciel, là, comme ça. Mec, il y a War Thunder qui est sorti sur console. Les contrôles sont tellement horribles, c'est injouable. Ah! Tu m'étonnes, un jeu comme ça à la manette. Non mais genre par exemple, il y a des gens qui critiquaient le fait que c'était galère pour sortir une arme. Bah en vrai non, t'appuies sur L1, t'as le choix. Donc tu peux y aller comme ça et tu peux même changer là en cours quand t'es sur le cheval par exemple. Et par exemple là, je dis sors le couteau. Là il va sortir le couteau. J'appuie juste sur L1. Boum, il range. Là il ressort l'arme si j'appuie juste sur la touche. Ça, il prend la dernière arme. Donc je suis dans l'incompréhension totale. Je vois ce qui est compliqué. On va couper à travers champ. Pour aller chercher son zèbre. Margaret. Là, on doit trouver un zèbre
dans cette région. Alors, a priori, un zèbre. Est-ce que ça serait pas le truc là en face? Ça me semble vachement être un zèbre, ça. Non, c'est une mule. C'est pas du tout un zèbre, du coup. Mais c'est ça qu'il faut quand même choper? Dis-moi, c'est toi le zèbre? Okay. What they done to you? Whoa. Easy there. Waouh. Ah, c'est pas du tout un zèbre, c'est une mule déguisée en zèbre. Mais arrête de tourner. Je peux pas lui faire quoi que ce soit. Je suis sur le... sur la mule. Je dois aller jusqu'ici. Donc c'est juste une mule qui est peinte. Ah, mais la zéro endurance, c'est une vieille mule. Les bruits, quoi. On dirait un vieux truc sur ressort qui comment on dit? Qui grince. Du coup, je couperai de travers champ, comme ça, ça sera arrivé plus vite. Et... d'une, cet insupportable bruit va s'arrêter. Et de deux, au moins, on ira plus vite. Il n'y a plus d'endurance, putain. Putain, il souffre, le pauvre. Ah, du coup, le lion et le tigre, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Good grief! You found him! Our zebra! Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage. Dreams and reality. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo Land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there in the glare of those arc lamps something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caligar Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do.
Et là, du coup, je suis sans cheval parce que mon cheval, je l'ai laissé là-bas. Comme un con. Alors, non, mais naviguer dans un menu n'a jamais été aussi difficile. Attends. Margaret. Si je vais là. Je pense que je serai assez proche. Alors, dans un menu n'a jamais été aussi difficile. Faut le voir pour le croire. T'as un curseur, le truc. C'est qu'il est juste visuel. Tu sélectionnes avec la croix. Mais si tu veux descendre de une case, c'est la gâchette. Haute, dans les options appuyées, tu auras te faire tourner au hub, déplacer la croix directionnelle, puis faire côté avec le stick. Quoi, même ton explication n'est pas claire, donc je suppose que c'est vraiment de la merde. Non, je ne monterai pas sur ce train. Ouais, t'as cheval en fait pour monter dedans, toi. Ça. Je sais pas à quel point je m'approche de mon cheval, mais dès qu'il sera en blanc sur la minimap, ça voudra dire que je peux le récupérer. Enfin, l'appeler, du moins. Là, il y a un petit feu à gauche. Je suis où là? Ok, j'y suis presque. Ah, parce qu'en plus, comme il est pas. Comme il a pas augmenté de niveau. Bah, il est pas. Ah, j'ai pas une grande portée pour l'appeler. Encore un train qui passe? Bah, dites-moi la nuit, c'est intéressant. Ah, il arrive. T'as quand même descendu cette pente là. Allez. C'est parti pour aller chercher le tigre hein, du coup. Pas qu'à faire. T'as sur le coup j'ai cru qu'il avait plein d'énergie en fait. Non, j'ai regardé la vie de mon personnage. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est nourrir le cheval. Son explication est pas claire, alors imagine que j'ai réellement mis 10 minutes pour activer une option. Alors que tu connais le jeu. Allez. Oula, c'est à gauche, il faut que j'aille. C'est des pillards. Et par ici, on n'aime pas les pillards. Ah, j'ai pas mon chapeau. C'est donc ce qui brillait là. Ah ouais si. Pouf. J'avais l'impression que c'était un animal mort, mais ouais en fait non pas du tout. Enfin si. Enfin vous m'avez compris. C'est mon chapeau l'animal mort.
Qu'est-ce qu'il y a, Sacha? C'est des pillards. J'ai le droit, non? Sachant qu'en vrai, à la base, je voulais... En fait, j'avais l'option de calmer le jeu. Sauf que sans faire exprès, j'ai sorti mon arme. Et le problème, c'est que comme pour parler à des gens ou les viser, c'est la même touche. Ça les a visés, je me suis dit, bon, fuck, de toute façon, c'est des pillards, Osef. Chelou par ici. Attends que l'animal se régène un petit peu vite fait. Je t'en peux. Ils ont même pas tiré. Ah si, ils avaient tiré avant que j'arrive. Ils m'ont pas tiré dessus. Mais reste que ça, c'est quand même des pillards. C'est pas bien les pillards. Je vais pas attendre de me prendre une balle pour répliquer. Je vois des méchants, je les défonce. Hey, mister. Oh. Mess. Howdy, mister. Did you lose a tiger? Yeah, you found one? No, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and... now he's missing too. It is a right old predicament. You're lying from Timbuktu, weren't you? Oh, from Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way'd he go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. That first set of shrubs, that's where I lost sight. I got it. Got the trail. These are paw prints. Looks like blood to me. Shit. Parce que loot tous les cadavres du jeu, t'en es pas un. What's this? Je loot pas tous les cadavres déjà. Ah bah il est mort. Found your dog. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy. Oh, where's the rest of them? I think a cougar took them. That'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. Lol. The other half? Really? I'm gonna put them in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay. Oh, putain. Grubs up. Stay down. She won't be too far away. Come quick. I went out to find a tiger. Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Il arrive. Look, I really don't think she'll eat the dog. Hey, là. Like I said, they was friends. Shut it. Oh, well, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Huh?
Allez. Let's go. We got her! Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. No thing. Let's get her back to Mr. Margaret. Okay, nickel. She's still eating. I would have thought, since they was close and all. Well, wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No, not really. Mais Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash. How you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and... You can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top five, at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days. Best female for the job will actually be a female. Pas par là, c'est pas là. Oh, I don't know if that'll ever happen. Yep. Mais ça me fait rire parce que la mule en zèbre, ça va, c'était assez ressemblant. Là, le cougar en tigre, ça passe. Mais alors le chien en lion, ça passe pas du tout. Thing to do when a dust storm is waited out. Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. Imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark, when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animal was gone. But now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. Oh, you would have managed it yourself. I just helped you along. You ever want to get in the sideshow business? I'm sure there'd be a place for a fellow like you. I'll leave the professional theatrics to better women than me. There it is, the caravan. Couldn't miss him if you wanted to. Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarring and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Ok. C'est le lion. Bon, du coup, ça va être un chien. Allez, viens. On va tout de suite aller chercher le petit lion. De la taille d'un chien, du coup. Mais du coup, là, je sais pas comment je vais le capturer. Comment vous voulez que je le capture? Au lasso, ça va pas. Il est agressif, qui mord, etc. Faut pas un truc. Enfin, le lasso, c'est bien quand quelque chose fuit. Ça, c'est quelque chose où tu veux quand même une distance de sécurité. C'est compliqué. Et.
Et le zeb, bon ça va, le coup de la sauce ça va aller. Tigre, j'avais la cage, mais là... Faut que je cherche le lion. What's the ruckus, boys? Get back! We got a cursed creature in here. Oh, yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. A dog? Now, if you'll excuse me, step aside. What? I said step aside. Ta 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 ta. Yeah, boy. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go home. Du caca au sol. Et là, en fait, c'est un vrai lion. Merde, c'est un vrai lion. Putain, il a tué un cheval. J'ai des trucs. Merde, c'est un vrai lion. Il est dégueulasse. Ouais, il y a mon cheval aussi entre deux. Putain, mon cheval qui était devant. Prends le trophée. J'ai tellement peur. Ok. Damnation. Hey, follow me, girl. Ok. Wait, girl. J'ai pris cher là avec ce vol plané, putain. Petite pomme. Petite caresse. Et on monte. Ok, donc là c'était un vrai lion en fait. Et donc c'est peu étonnant, mais on a dû le tuer hein, vu que combattre un lion, enfin ramener un lion ou le coup. Combattre, bah, ça finit forcément par la mort du lion. Hein. On a récupéré sa patte. Notre perso était tellement persuadé que c'était un... Enfin que ça allait être un chien et en fait... Pas du tout. Là, c'est fou un lapin. Un lièvre. Putain.
Est-ce que je l'ai eu à la tête ou pas? Elle est comment sa peau? Attention. Mauvais état, dommage. Mais c'est vraiment chaud de les avoir à distance. Hein. Non, c'est pas un... J'essaye de regarder un peu droite à gauche, hein, mais... Parce que les lapins, c'est les plus durs à choper. Est-ce que vous voyez un lapin? Je fais des biches à gauche. Pour rien. Easy now. Ça c'est quoi? C'est des piafs, ça. Des dindes. Et ça là à gauche, c'est une dinde aussi. Et là c'est pareil. Ah non, ok, la tête. Ok, la tête elle est là au-dessus là. Mais va viser la tête. Je vais prendre le sniper pour voir. Il est où? Chaud, hein, en vrai. Si je prends le fusil à petit gibier, jamais je l'aurai, quoi. Plus il faut qu'ils aient la tête en l'air, sinon c'est pas possible. Genre là c'est pas possible, la tête elle est en bas. Je vais choper une patte ou un truc du genre. Lui il bouge, donc c'est pas possible. Ça pourrait être possible, mais j'ai pas le talent. Ah, alors lui. Ah, mais il bouge trop. C'est dingue. Pas coco. Ok. J'espère que j'ai bien eu la tête. Plume de dinde. Il n'y a pas de rareté en fait pour les dindes, c'est ça? Je sais pas. Là, je vais prendre la dinde. Pire des cas, ce sera la viande qui sera de bonne qualité. Ok, girl. Yep. Allez, c'est parti. Je vais arrêter de vous embêter avec la chasse. Ne serait-ce que pour les 4 prochaines minutes, comme ça. Au moins, pour YouTube, ça fera une vidéo de 45 minutes qui sera sur le thème des animaux du cirque. À moins que là j'ai autre chose qui me pop sur la gueule. Bonjour, monsieur, dame. Odysseus returns. Sally, get the cages ready. Yes, sir, Mr. Margaret, right away. A man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking you for... You haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I know. A goose? We'll hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is rum, old boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. Il va fuir. And what a treasure it is! Ah non. You're a lucky man, sir. Very lucky man. Une émeraude? From the mines of El Dorado. As green as the rainforest. As clear as the Amazon.
and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. Ok. Ouais, du coup, cette carriole... En plus, ils avaient même pas assez de chevaux pour truc. Bon, au moins ça c'est fait, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Maintenant, allons voir notre ami le photographe. Dans cette zone qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Blue Marsh machin. Je connais pas. J'avais cru voir passer un truc. Là-bas, il y a un truc là. Easy, easy. Attendez. Sortir les jumelles pour voir bien comme il faut. Là. Un écureuil, bon. Nique sa mère. Yep. Easy there. Il est où, il est là. On peut pas le pister. Ah si, c'est bon. Ah, c'était sa tête. Normalement, je lui ai défoncé le crâne. Là, il y a déjà des mouches dessus. Alors, en quel état? Bon état seulement. Je sais pas comment faire pour avoir mieux avec les petits animaux comme ça. Je sais pas. J'aimerais bien pouvoir avoir ne serait-ce qu'une meilleure sacoche ou des conneries du genre, quoi. Pour être sympa. Le truc là-bas, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est une biche. Les biches, on connaît. Mais en vrai, la biche, est-ce qu'on a déjà eu une peau parfaite? Bon. Attendez, il y avait un lapin là à côté. Il y a des trucs qui font des bruits bizarres par là. Le cheval, il est nerveux. Il y a eu des bruits sur le côté, il y a la manette qui a vibré. Très bizarre. J'aime pas trop cet endroit, en plus là il est assez lugubre. On va avancer. Bon, par contre, si tu restes sur ma route, toi je te défonce. Oh là, ça pourrait être un joli coin pour pêcher. Genre sur le pont. Ça pourrait être sympa. J'ai bien envie de mettre un point. Alors là, pouf.
Ah, il y avait un endroit d'animal légende. Non, non, je dis des bêtises. Hey, move! Perso, il pète un plomb. Ok, du coup, allons voir notre ami le photographe dans les marécages. C'est dégueulasse. Hey. C'est une embuscade. Si on voit des trucs comme ça, faut pas s'arrêter. On va calmer le cheval. Calme-toi, tout va bien. Je te donne un petit coup de brosse et tout va bien. Parfait.